Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Fulmino, ton youtubeur préféré. Et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le visionnage du nouveau clip de Lefa. Le clip s'appelle Mise à jour. Donc je sais pas si c'est pour annoncer un nouvel album ou quoi, j'ai pas trop suivi les actualités de Lefa. En tout cas, on va regarder ça tranquillement, tous ensemble, on va se poser. Hop, et puis on va regarder ça. Les gars, évidemment, avant que je clique sur le clip, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est bientôt 1000 abonnés. Ça va être incroyable les gars quand on va le dépasser. Le petit instant promo est terminé les frères. Hop, regardez-moi cette technologie, toujours, hein, toujours à la NASA ici. Hein. Lefa, mise à jour. On va se mettre ça tranquillement. Et puis on est parti. Alors attendez, mise à jour. Extrait de Démineur disponible le 11-3. Ok, ok, ok. Donc on a un nouvel album qui sort le 11 mars. Les gars, je vous dis, je suis pas trop l'actualité de Lefa, mais j'aime bien quand même suivre un peu de loin et tout, parce que pour moi, c'était quand même un des plus gros rappeurs de la section d'assaut. Il y avait qui d'autre? Il y avait Gims en vrai qui était chaud. Et il y avait aussi Black M à l'époque. Hein. À l'ancienne, hein, parce que maintenant il a mal tourné. On est parti, on va regarder ça. 3 minutes 45. À mon avis, on est quand même sur un clip très très qualitatif. Hein, parce que Lefa, à chaque fois, il nous envoie du lourd. Let's go, c'est parti. Waouh. Mais frère, on est où là? Déjà, les gars, le lieu du tournage, il est. Waouh. Waouh, 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 le clip. J'ai appelé cet album Démineur parce que je voulais parler de sujets sensibles. Statut que je mérite, je dis tout le temps que je devrais up. La façon dont je me rassure en me disant que moi je fais de la qualité. Le problème c'est les gens, je préfère des mecs même pas calés. Là je comprends pourquoi certains m'évitent, c'est là que je me mentis mes amis, je les mérite. Oh le changement de prod. What the f... Ouais gros. Faut pas que j'oublie mes principes pour le bénéfice. Faut pas que la vérité quitte le bout de mes lèvres. J'ai pas pris la peine de m'interroger, donc je fais la mise à jour. Mais what? Non mais frère, oh non mais gros là, oh j'avais dit je m'attendais à un gros clip, mais là quand même on est vraiment sur un très très gros clip. Et là on a quoi? On a 160 000 vues mes frères, mais wow, mais ça mérite mille fois plus. Oh le changement d'ambiance sur la prod et tout, il y a eu trois changements d'ambiance hein, si je me rappelle bien. Non le son il est incroyable les gars, le fa il est trop chaud. Putain je crois que c'est le, hey, c'est le dernier rappeur de la section d'assaut qui est pas parti en cacahuète. Hein. Non là on a vraiment du vrai rap. Hein. Toujours ce sujet quand même qui revient avec le fa. Sur la notoriété, la fame et tout. Ça se voit qu'il a quand même du mal avec ça. Hein. Ce son est très 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 chaud. Et j'ai très très hâte l'album. Franchement là, je savais même pas qu'il allait sortir un album. Bah au final, voilà. Le 11-3 les gars. Je note ça dans mon petit agenda. Et on se fera évidemment la première écoute ensemble sur la chaîne YouTube. Du coup les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que cette petite découverte avec moi du clip, elle vous a plu. Franchement, je reste bouche bée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je ferai évidemment la première écoute du nouvel album de Lefa. Donc les gars, abonnez-vous. On la fera ensemble comme ça, tranquillement. Mettez un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous kiffez Lefa. Et puis voilà, les gars, on se dit à très très vite. Bisous à tous. Zbao! Faut pas que j'oublie mes principes pour le bénef. Faut pas que la vérité quitte le bout de mes lèvres. Que je perde mon sang-froid devant tout ce qui m'énerve. C'est pas en rabaissant les autres qu'on s'élève. Ah non!